Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce jeudi 17 mars 2021 de revenir sur le championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Vodacom League 1, le championnat de la Lina Foot, où ce jeudi se jouent deux matchs ici à Kinshasa. FC Renaissance qui reçoit Blessing de Kolwezi après le match aller, match perdu par le FC Renaissance 2-0. Les Rennais tentent en ce moment même de renverser cette équipe de Kolwezi qui l'avait battu au match aller. Et le Daring Club Motema Pembe qui va jouer en seconde rencontre contre Dauphin Noir de Goma. Dauphin Noir et le Daring Club Motema Pembe qui est dans une très très mauvaise situation, puisque comme objectif dans ce club c'est de retrouver l'Afrique, et ce n'est pas très bien parti pour le Daring Club Motema Pembe qui venait en tout cas de faire un match nul de 0 but partout sa JSK. C'était le match, son dernier match dans la phase aller de cette Lina Foot. Le Daring Club Motema Pembe va tenter aujourd'hui de glaner 3 points, de gagner une victoire puisque l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe, le Congolais Brazza Isaac Ngata, a prévenu qu'il fallait au moins 11 victoires pour permettre à Daring Club Motema Pembe de se retrouver en tout cas dans les trios de tête, synonyme d'une place qualificative pour la compétition africaine inter-club, ce qui ne sera pas facile, mais ça passe par une première victoire face à Dauphin Noir tout à l'heure au Stade des Martyrs. Je vous propose de revenir sur cette conférence d'avant-match d'Isaac Ngata, mais également ensuite de l'entraîneur des Dauphins Noirs. Ensuite, nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Et je rappelle que vous suivez bien sûr votre chaîne YouTube DMTV. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, activez également la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cette conférence de presse d'avant-match entre le Daring Club Motema Pembe et Dauphin Noir, nous nous retrouvons tout de suite après. Donc les matchs retour reprennent pour nous, pas pour les autres, mais pour nous. Et on s'était dit que compte tenu du parcours insuffisant de la première partie, on doit être en pole position sur le dernier parcours. Et ce dernier parcours, on va l'engager fortement parce qu'il faut qu'on aille chercher les 10 à 11 victoires qu'on escompte avoir. Et pour ça, il faut commencer dès maintenant à mettre notre marque de fabrique sur la deuxième partie de ce championnat, parce que c'est très important pour nous de bien commencer, parce que on doit absolument atteindre nos objectifs. Après, une fois qu'on aura atteint nos objectifs de 10 à 11 matchs, après on verra ce que donnera nos classements, mais nous on a un objectif il faut réaliser, c'est aller chercher des victoires où on a failli. Donc comme on a failli beaucoup sur 5-6 matchs, il va falloir ne plus faillir et conserver les victoires qu'on a eues. Donc ça nous ferait une dizaine, 11 victoires. Et on a toujours dit que l'homme se découvre devant un obstacle, et voilà que je suis devant un obstacle. Et le premier match demain face à Daring, ça sera un autre championnat qui doit faire commencer. Inch'Allah, je suis certainement sûr, avec l'appui de tout le monde, que nous pouvons y arriver. Oui, dire que je suis préparé pour ce match, je crois si, parce que ça fait une semaine que je suis avec l'équipe. On a essayé de travailler, essayer de remonter un peu le moral des joueurs. On a essayé de travailler aussi le positionnement des joueurs sur le terrain. C'est suffisamment, je n'avais pas vraiment le temps, mais je crois quand il y a un match devant, on doit être prêt sur le plan mental. On a essayé de travailler sur ça. Je sais la valeur des DCMP quand ils jouent déjà à Kinshasa. Soyez certainement sûr que demain, ça sera un autre match. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la conférence d'avant-match. Les deux entraîneurs qui vont jouer tout à l'heure au Stade des Martyrs se sont exprimés. D'abord, l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata. Ensuite, l'entraîneur du Dauphin Noir. Si le Daring Club Motema Pembe veut être africain la saison prochaine, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par 11 victoires. Donc, il faut gagner à 11 reprises lors de cette phase
retour de la ligne à foot. L'ASV Club a réussi à le faire. Hein. On se souvient de l'opération Commando où aucun club, en tout cas, n'avait résisté hein, à cette opération Commando de l'ASV Club. Pourquoi pas imiter en tout cas tout ce qui est positif. Le dernier club monté en PMB peut y arriver, mais encore faut-il hein, y croire. Et Isaac Ngata y croit, il croit Mordicus hein, que le dernier club monté en PMB peut y parvenir. C'est vrai que des challengers que le DCMP aura, des sparring partenaires, ce ne sera pas nécessairement de la même acabit que Dauphin Noir aujourd'hui, mais déjà il faut être lucide devant les buts hein, face à Dauphin Noir. On a vu un Daring Club monter Mapembe plutôt timide face à JSK qui s'est procuré en tout cas plusieurs occasions mais sans réussir à les concrétiser. Il y a eu visiblement un problème de manque de concentration peut-être dans les chefs des attaquants des Immaculés qui n'avaient pas en tout cas réussi à convertir la moindre occasion alors qu'ils étaient largement supérieurs face à cette équipe de JSK. Le Daring Club monter Mapembe qui offre plutôt un jeu plaisant à voir, c'est parmi les équipes hein, dans cette compétition qui offre un jeu très attrayant, mais malheureusement le Daring n'arrive pas à gagner, c'est un problème. Jusque là DCMP n'a que 21 points et se retrouve en bas du classement et ce n'est pas une très très bonne chose. Les Daringmen veulent être africains, ils savent que c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut rester soudé et y croire. Dans l'entretemps autour du club il y a des problèmes, il y a encore ces conflits qui continuent toujours à rattraper l'équipe. Dernièrement on a suivi le président de coordination de ce club dont une rumeur avait circulé sur sa démission. Il a démenti et a promis de rester, de ne pas abandonner l'équipe. Quid maintenant de l'unité au sein de l'équipe? Il faut certainement composer avec d'autres Daringmen puisque eux-mêmes disent Daring Uni est fort et imbattable, alors qu'en ce moment la sérénité n'est pas en tout cas au sein des supporters du Daring Club Monté en PMB. Mais espérons que cela n'affecte pas les joueurs et que les joueurs à partir du match d'aujourd'hui pourront se ressaisir hein, et surtout apporter les 3 points. Ce ne sera pas encore gagné, c'est une bataille peut-être qu'il faut gagner aujourd'hui, mais la guerre et le chemin restent encore très longs puisque le Daring Club Monté en PMB aura à faire face à des très gros poissons tels que l'ASV Club, Sangabalende, le tout puissant Mazembe Anglebert, Saint-Éloi Loupopo. Ce ne sont pas en tout cas des petites équipes hein, Maniema Union également, et donc ça va être compliqué, mais il suffit d'y croire. L'ASV Club y était parvenu, pourquoi pas le dernier club Moté Mapembe qui passe hein, en tout cas des moments difficiles, moment d'ailleurs qui a été reconnu par son président de coordination Vidier Chimanga. Donc vous avez également suivi l'entraîneur des Dauphins Noirs qui vient de prendre cette équipe en cours de saison hein, et qui semble dire qu'ils vont, en tout cas il espère que ses joueurs seront mentalement au point et mentalement forts pour aborder ce match là et c'est un défi pour eux puisqu'ils vont rencontrer en tout cas un gros poisson du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Et donc Dauphin Noir cherchera toujours à jouer ce rôle de trouble fête hein, au Daring Club Monté en PMB, de rester concentré, de ne pas se faire prendre au piège de Dauphin Noir, une équipe qui ma foi a toujours compliqué le Daring Club Monté en PMB chez elle en lui imposant surtout des matchs nuls, mais ici trop souvent le Daring Club Monté en PMB est arrivé à s'imposer assez facilement. On espère que ce sera aussi le cas aujourd'hui, d'autant que ça lui permettrait de se relancer en tout cas au classement de ce championnat de la ligne à foot hein, en ayant 24 points, même si le chemin reste encore très très long comme j'ai eu à le dire. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin hein, de cette petite analyse de cette conférence d'avant-match entre le DCMP et Dauphin Noir. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à votre chaîne YouTube DMTV. N'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.